Nobody can tell me that God is not patient. Cause girl with you, he took his time. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top, ça va à merveille par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo skincare. Donc je crois que c'est la deuxième vidéo skincare que je fais sur ma page. La dernière fois que je l'ai faite c'était en 2023. Donc là on se retrouve pour ma nouvelle skincare 2024. Donc avant de commencer, si vous suivez actuellement ma routine de 2023, c'est pas un problème. Là, je vais vous montrer avec de nouveaux produits. Ma skincare en soi, elle a pas trop changé, mais elle a un peu changé. Et il faut savoir que moi, ça me dérange pas forcément de changer de skincare, étant donné que je change souvent de skincare. Et bah en fait, en soi, ça reste la même chose, mais ça a pas d'impact sur ma peau. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est pas, je change de skincare et ça me fait des trucs bizarres. Donc c'est pour ça que j'aime bien changer de skincare. Voilà. Là, je pense que j'ai trop parlé, mais voilà. Là, je vais vous montrer une nouvelle skincare avec quelques nouveaux produits. Et puis voilà, en soi, il n'y a pas trop à dire. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Là, je vais essayer d'être un peu plus régulière parce que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était la story time et ça date un peu. Du coup, là, j'essaye de revenir un peu en force. Même si je dis ça à chaque fois et que je le fais pas. Mais là, par exemple, on est quel jour? Mercredi. On est mercredi, donc c'est férié. Donc j'ai profité pour faire une vidéo. Et demain, ce sera jeudi. Et ce sera encore férié. Du coup, je ferai une autre vidéo. Du coup, voilà. Sinon, j'espère que vous vous portez bien. Que tout se passe bien pour vous. En tout cas, je vous fais de gros gros bisous. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Donc avant de commencer, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait mettre l'émoji du jour. Donc je vais le mettre juste là. Vous allez devoir mettre cet émoji dans les commentaires pour me prouver que voilà, vous êtes là en fait. Voilà, là on peut commencer la vidéo. On peut commencer. Donc tout premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir laver son visage. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le savon de chez Garnier à la vitamine C. Franchement, elle est trop bien cette gamme. Toute la gamme à la vitamine C de chez Garnier, franchement top. Donc je commence par laver mon visage avec ça. Donc après, là, c'est pas tout le temps que je le fais. Genre, des fois, je le fais une fois, deux fois par mois. Là, je vais enlever. Vous savez, des fois, on a des petits points blancs ici, là, là. Ça me dégoûte. Du coup, ça, c'est un masque et un savon en même temps. Et c'est comme un masque, savon, gommage. Il est trois en un. En tous les cas, je vais vous mettre les produits juste à côté. Et je viens mettre ça sur les zones... là, voilà. Je vais en mettre ça sur les zones où bah, j'ai des petits points blancs là. Parce que franchement, ça me dégoûte. Tous les points noirs et tout là, j'aime pas. Du coup, je mets ça ici. Je frotte. Là, je vais pas l'utiliser en tant que masque. Je vais donc vraiment nettoyer comme ça, faire des mouvements circulaires pour bien enlever les trucs blancs là. Et après, je vais rincer directement. Je vais pas faire reposer. Donc, voilà. Je masse bien comme ça, histoire de... Parce qu'il y a des petits grains là. Les petits grains là, c'est ça qui permet d'enlever la graisse, le surplus de graisse. Du coup, voilà, je fais ça. Et après, je vais rincer directement. Donc là, on va passer au rinçage. Donc, dès que j'ai fini de laver mon visage avec mon savon, je prends un coton et je viens tapoter comme ça. Au lieu de prendre une serviette. Si vous prenez des serviettes, jetez-les. Jetez-la à la poubelle. Prenez des petits cotons lavables là. Ça c'est mieux. Mais il faut vraiment laver. Genre vraiment laver. C'est très important. Si vous n'avez pas des petits cotons lavables, prenez ça. C'est même pas 1 €. Et vous venez tapoter comme ça. Pour venir enlever l'excédent d'eau sur votre peau. Du coup, on passe au deuxième produit. Donc là, quand j'ai fini d'appliquer le masque, je vais appliquer une lotion. Donc là, celle-là, c'est une lotion de chez Evoluderm. Elle est anti-imperfection. Elle purifie, elle clarifie et elle a l'acide salicylique. Du coup là, voilà. Du coup là j'en mets un peu sur mon coton. Tac.
Et je vais tapoter comme ça. Je tapote, je pousse un peu comme ça. Voilà. En plus, ça sent trop bon. Ça sent le parfum. Ça se sent bon. Du coup, voilà, je fais ça un peu partout. Histoire de vraiment bien nettoyer la peau. On enlève vraiment toutes les impuretés en fait. Et voilà. Voilà. Là, on est bon. On passe à la prochaine étape. Donc là, je vais mettre un sérum au probiotique. Donc, je vais en mettre quelques gouttes. Tac. Tac. Il faut faire attention à ne pas coller la pipette sur la peau. Bon, des fois, je le fais pas exprès. En plus, là, j'ai pas mes lunettes, ça veut dire que je ne vois pas très bien ce que je fais. Mais voilà, donc j'en applique partout. Comme vous avez pu constater, j'en ai pas mis beaucoup. Le sérum, vous pouvez descendre jusqu'au cou comme ça. Voilà. Ça mettait bien partout. Voilà. Oh, ça fait du bien. J'ai l'impression de me sentir. Parce que des fois, je vous avoue, quand j'ai pas le temps de faire la skincare, je mets seulement savon, crème et je pars. Mais là, en plus, je suis sortie, pris ma douche et tout, ça fait du bien de ouf. Voilà, j'ai une peau. Là, je sens que ma peau, elle est propre, elle est. T'as capté. Vous avez capté. On passe au prochain produit. Oh. Donc, après, je viens appliquer ma crème. Là, c'est une crème de jour de chez Lidl qui est très très bien. Mais je préfère la Garnier au vitamine C. Je sais pas si j'ai encore la boîte. Non. On a dû la jeter. Du coup, ce que je mets de base, c'est la Garnier. Mais là, il n'y en a plus. Du coup, je mets cette crème. Mais je pense que dans tous les cas, vendredi ou demain, je sais pas si ce sera ouvert. J'irai en racheter parce que là, aujourd'hui, c'était fermé. Mais je pense que demain, ce sera fermé aussi, comme c'est un jour férié. On applique bien. Ma peau. Mais franchement, celle de Garnier, je vous la conseille. Elle est trop trop bien. Pour le visage. Dans tous les cas, c'est un petit récipient comme ça aussi. Et c'est que pour le visage. Donc là, j'applique bien partout. Et après, je vais passer directement à ma crème solaire. Je vous conseille la SVR. La SVR, c'est mon chouchou, c'est mon bébé. Celle-là aussi, elle est bien, mais j'aime pas l'odeur. Et en plus, c'est SPF 30. Moi, je préfère SPF 50. Donc franchement, celle qui aime l'odeur du monoeil un peu trafiqué là, je vous la conseille, mais sinon moi j'aime pas l'odeur. Hein. Je préfère ma petite crème SVR. Et celle-là aussi, elle fait l'affaire. Dans tous les cas, je pense que vous savez tous maintenant que la crème solaire c'est super important. Avant de sortir, c'est très important. Parce que ça vous protège contre les rayons du soleil, ça protège votre peau. Donc n'oubliez pas la crème solaire, c'est très très important. À la limite, mettez même pas de crème de jour, hein, si vous avez pas le temps et tout. Mettez de la crème solaire, surtout que là, le soleil il arrive bientôt. Donc, si vous voulez pas que votre peau soit brûlée, cramée vraiment, crème solaire. Du coup, voilà, là on arrive à la fin. Après, n'oubliez pas d'hydrater vos lèvres, pardon, c'est très important. On veut pas des lèvres craquelées, des lèvres dures. On veut des lèvres souples, voilà, bien belles, bien joli quoi en fait, tout simplement. Du coup, là on passe au débrief de la vidéo. Débrief. Donc là j'hydrate mes lèvres avec un petit labello de chez Normal. Franchement il est pas mal. En plus il coûte 1€. 1€ et il y en a deux dedans. Donc franchement c'est pas mal. Je voulais faire un petit point sur le gommage, enfin le soin que j'ai fait sur mon menton et mon nez. Donc moi ce gommage je le fais deux fois à trois fois grand max dans le mois. Mais si vous avez une peau grasse, etc., vous pouvez le faire une fois, deux fois par semaine. Ouais, par semaine. Parce qu'après, sinon, ça agresse la peau, le fait de gratter. Enfin, parce qu'il y a des grains. Du coup, c'est comme si vous grattez votre peau tout le temps et c'est pas bon. C'est agressif pour la peau. Du coup, une fois, deux fois par semaine, c'est la fatigue. Voilà, je vous conseille de faire ça. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Je referai encore une skincare. Parce que là, j'ai envie de faire une skincare coréenne. J'ai envie de tester la skincare coréenne. Je vois que franchement, ça donne. Ça donne en fait. Donc moi aussi, je veux que ça donne sur moi. Même si en soi, mon teint, ma peau, elle est pas dégueulasse.
Mais vous savez, on cherche toujours la perfection. Et j'ai l'impression que la skincare coréenne, c'est la perfection. Du coup, comme moi, je veux la perfection, je vais prendre la skincare coréenne. C'est simple. C'est simple comme bonjour, en fait. C'est-à-dire, skincare coréenne, j'arrive. C'est juste les prix qui me freinent un peu. Sinon, je vais prendre ça. Et je testerai dans tous les cas et je vous dirai ce que j'en pense. Dans tous les cas, ça sert à rien de mentir. Faut mieux dire la vérité. Si c'est nul, oh, c'est nul. Si c'est bien, oh, c'est bien. Mais de ce que j'ai vu, de ce que mes yeux ont vu, c'est bien. Du coup, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Demain, je pense faire une vidéo story time, comme vous aimez. Par contre, la dernière story time que j'ai faite là, pourquoi vous n'avez pas regardé? Non, en fait, vous n'avez pas regardé. En fait, vous n'avez pas aimé. Non, dites-moi la vérité. Comment vous... Non, moi, je comprends pas. Je suis là et tout, je vous fais des story time, vous me dites que vous voulez des story time. Je fais les story time, moi, vous regardez pas. C'est quoi votre problème? Non, moi, je boude, hein. Je boude. Franchement, je boude. Comment? Non, en fait, j'arrive pas à comprendre, je boude. Voilà. Je vous boude. Si vous regardez pas mes story time, je vais vous bouder. Donc, commencez à regarder mes story time, en fait. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre l'emoji du jour de la vidéo. Ça me permet, en fait, de voir aussi que... Bah, y a des gens qui regardent la vidéo. Ça permet aussi à YouTube de voir que bah je fais du travail, en gros. Que je suis pas, voilà, je suis pas un robot, je suis pas un compte fake ou quoi que ce soit. Et aussi, ça me motive, genre le fait de voir qu'il y a des gens qui commentent et tout. Voir les commentaires, ça motive et tout, et ça pousse à faire des vidéos. D'ailleurs, il faut que je m'achète une caméra et tout. Là, j'ai vraiment envie de me mettre à fond sur YouTube. Mais en vrai, il me manque énormément de choses. Mais je suis pas pressée, ça va arriver petit à petit. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, à passer vos commandes sur CBI Factory. D'ailleurs, il y a du lourd qui arrive très bientôt. Très bientôt, mais je parle pas. Mais en tout cas, je sais que vous allez valider. Du coup, en tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, en fait, bisous.